L'image du jour, c'est ce conflit entre Israël et la Palestine, et oui, c'est encore une bataille qui commence et dont je n'ai pas très envie de commenter. Je préfère parler des fleurs ou des animaux qui vivent dans la nature, ou de ce long week-end de l'Ascension où les gens pourront enfin respirer. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Les combats se poursuivent entre le Hamas et Israël malgré la demande d'un cessez-le-feu, avec des tirs de roquettes sur le territoire israélien et des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Commandant Sylvestre, comment expliquer ce combat qui ne cesse de continuer? Ouais, enfin, faut bien qu'il se passe quelque chose. Ouais, enfin, c'est la catastrophe. Ouais, sûrement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sans la guerre? Bah, c'est horrible, il y a des gens qui s'entretuent et des innocents qui paient. Bah, j'en suis conscient, mais au moins, il y aura des choses à voir à la télé. Non, c'est scandaleux. Bah non, comme ça, toi, journaliste, tu pourras développer un sujet approfondi pour ton journal. Oh, arrêtez! Bah c'est ça qui vous obsède, vous, journaliste. Il vous faut un sujet pour chouchouter vos téléspectateurs. Oui, bah, ce n'est pas une raison. Football, le Real Madrid affrontera le Grenade FC à leur domicile. Zinedine Zidane, comment vous voyez le match? Bah, je ne sais pas, il faut taper dans le ballon, faire des passes et essayer de mettre un but. Et pour pas se prendre un but, il faut essayer de bien défendre la surface de réparation. Sans doute, mais est-ce que vous avez une équipe solide pour affronter Grenade? Bah, vous savez, les os sont solides, le corps est solide, donc l'équipe est solide. Ouais, et partagez. Covid-19, la pression hospitalière continue de baisser, c'est une bonne nouvelle pour les soignants. Ouais, génial. Bah vous avez l'air déçu, professeur Sylvestre. Bah c'est-à-dire que... si, je suis content, mais bon... Bah vous devriez être content car il y a moins de pression dans les hôpitaux. Oui, mais on ne pourra plus faire beaucoup de pognon. Grâce au virus, on recevait le jackpot. Hein? Bah oui, si tu déclares un patient Covid, ton salaire est doublé. Ça fait grimper le chiffre d'affaires dans les hôpitaux. Ah, c'est bon à savoir. Et puis réouverture des terrasses, les restaurateurs se préparent tant bien que mal pour s'organiser avec les gestes barrières, mais ça faisait 8 mois qu'on attendait d'accueillir du monde en terrasse. Petite publicité. Pourquoi les Français détestent les restrictions sanitaires? Quand tu ouvres un restaurant et qu'il a fonctionné pendant des années, mais que brutalement tu dois le fermer pendant 8 mois, ça pique au moral. Mais en plus, t'as des problèmes pour refaire revivre ton restaurant et après c'est la faillite, c'est la fermeture assurée. Covid-19, la pandémie de qualité. Enfin, pour la politique. Voilà, sans transition, je reçois Richard Virenc. Bonsoir, Patrick Poivre d'Arvor. Alors Richard, la campagne de vaccination est en train de débuter pour faire face à la pandémie. On aimerait avoir votre avis. Oh, vous savez, ça donne la pêche. Ah bon, Richard? Bah oui, moi par exemple, j'en ai fait l'expérience. Ah, vous vous êtes fait vacciner? Eh oui, je suis l'un des premiers à me faire vacciner. J'en suis à ma première dose. Ah bah c'est génial. Bah tu m'étonnes que c'est génial. Je n'ai jamais été aussi en forme depuis le Tour de France 98. Ah, et ça s'est passé comment votre première injection? Bah on m'a injecté une sorte de liquide avec une seringue. Je suis reparti tout d'un coup. Je suis rentré chez moi en fonçant comme une fusée. Ah bon? Eh oui, je me déplace à toute vitesse, même pour aller faire mes courses dans un supermarché à 6 km. Ah oui, c'est pratique. Ah, tu m'étonnes que c'est pratique. Je suis même venu jusqu'ici en courant. Quoi? Bah oui, j'ai même transporté un camion le tenant sur mon dos pour le ramener à sa destination. Mais c'est surréaliste. Bah oui, j'ai même rendu service à un copain dans un chantier pour construire sa maison. Ah bon? Eh oui, j'y ai mis même pas 15 secondes pour la construire. Mais vous avez un pouvoir surnaturel. Bah oui, je pourrais déplacer des maisons. Non, croyez-moi, ce vaccin est une potion magique en réalité. Monsieur Richard, est-ce que vous pensez que le vaccin va vous empêcher d'attraper le coronavirus? Oh, vu la pêche que ça donne, je pense que oui. Oui, tu m'étonnes. Bon, par contre, j'ai quelques crampes musculaires. Hein? Bah, à force de faire des efforts physiques, ça fatigue un peu.
Ah bah c'est normal. Une fois j'ai fait du vélo et sans le vouloir je me suis retrouvé au sommet du Mont Blanc en même pas 30 minutes. Comment? Bah oui, quand je fais du vélo j'ai l'impression de rouler plus vite que le TGV. C'est pas extraordinaire ça? Mais Richard, vous êtes sûr que vous vous êtes fait vacciner? Bah oui, j'étais dans un vaccinodrome qui se trouvait juste devant chez moi. Pas eu besoin de me déplacer beaucoup. Bah oui, pourquoi faire compliqué? Bah oui, le vaccin c'est pas si dangereux que ça en a l'air. Ah c'est sûr. Surtout que dans l'équipe de la vaccination, il y a quelqu'un que je connais. Ah bon, qui? Bah c'était quelqu'un qui travaillait pour Festina. Oula, bon allez, à suivre. Voilà, sans transition télévision, ce soir dans Nulle part ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir le prestigieux Pascal le Grand Frère. Après SOS, ma famille a besoin d'aide. Kevin, tu te rends compte de ce que tu fais vivre à ta mère? Attends un peu, je vais m'occuper de toi. Découvrez une autre formule inédite. Max, tu te rends compte de ce que tu fais vivre à ta femme et à tes amis? Mais ça te sert à quoi? T'as la plus belle maison, la carte bleue, la plus bleue, et tu en profites même pas, ton bateau. Quelque chose que personne ne peut s'acheter dans la vie. Tu te rends compte, tu ne réalises même pas la chance que tu as. T'as raison, Jean-Louis. Pardon, excuse-moi, merde. SOS, ma famille a besoin d'aide. Avec Jean-Louis, le gars des outres, le petit mouchoir. Ah, c'est génial. S'ils pouvaient mettre de l'or dans les huîtres, ça serait pas mal. Allez, ciao, bonsoir. Merci les guignols. C'est de la bonne déconnade. Bah oui, il faut bien déconner de temps en temps. Oui, mais il ne faut pas trop déconner parce qu'après, on ne s'arrête plus et on va trop loin. En effet, Pascal, Vandel va venir, mais avant, le zapping. Laurent Chalubeau, bonsoir. Bonsoir. Ah, il va nous falloir un chalubeau. Trop fort, ma fille. À Dunkerque, l'Uber n'était pas au rendez-vous. Bah, confiner le week-end, c'est une grosse connerie. Parce que la semaine, on travaille, et le week-end, on est chez nous. C'est vraiment du n'importe quoi. Nous, on est là pour veiller au grain, et s'il y a quelqu'un qui n'a pas son attestation, bah malheureusement, on le verbalise. 10. Habituellement rempli de touristes et confiné avec quelques passants dehors. Bah, il faut bien sauver les gens et les hôpitaux. Et vous avez votre attestation sur vous? Bah oui. Regardez. Sinon, c'est une amende. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les victimes d'harcèlement? J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas se laisser abattre, il faut avoir confiance en soi et se dire que tout ça, c'est du passé. Et que personne te fera du mal car t'es devenu plus fort qu'eux. Philippe Vandel, bonsoir. Bonsoir Thierry. Je vais commencer par une supercherie. Quelqu'un a envoyé une menace de mort en public sur Facebook. Il est clairement écrit « Rendez-vous sur le chemin des fous et je te tuerai sale bolos ». Le chemin des fous, ça existe vraiment? Non, à mon avis, ça doit être une sorte de code, ce rendez-vous. Mais il a vraiment tué quelqu'un? Je n'en sais pas plus. Je vais continuer par un autre fait qui s'est passé dans un supermarché. Une femme faisait des courses avec des amis qui, eux, ont acheté de la nourriture, mais la femme les a agressés parce que la nourriture n'était pas bio. Mais agressés physiquement ou verbalement? Physiquement? Là, on est dans une histoire débile. Ah oui, c'est vraiment débile comme histoire. Je vais continuer toujours dans un supermarché dans le Cotentin. Une mère et ses deux fils vont faire les courses. Quand le plus grand décide de faire des gaufres, mais la mère refuse, donc il commence par l'insulter, s'ensuit une bagarre, puis s'en prend aux personnes qui tentent de s'interposer. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, c'est quand même pas celui... dont vous vous seriez occupé, non, parce que l'adolescent a 15 ans, et mais cette histoire a fini au commissariat. Ah mais ce jeune homme, je me donnerai à cœur joie de m'occuper de lui. Ah c'est sûr, mais par contre, le jeune homme a été privé de gaufres pendant 2 mois comme représailles. Tout ça pour une histoire de gaufres. Je ne vous le fais pas dire. Je vais terminer par de la sécurité routière. Dans l'Allier, 2 hommes sont cachés derrière un buisson. Un guette un accès de vitesse. L'autre pose des hertz pour le punir et lui apprendre à rouler trop vite. Et se charge d'appeler la police. Par contre, il y a une question qui me vient. Ils n'ont pas peur de se tromper de voiture? Bah visiblement, jusqu'à présent, ils ont réussi leur coup. Mais surtout si la voiture s'arrête en plein milieu de la chaussée et qu'une autre est derrière, ça risque de créer un carambolage. Oui, pas faux. Eh ben merci Philippe Vandel.
Juste après la pub, on retrouve Moustique et les Robins des Bois. À tout de suite.